sun is rising, here we are. I didn't think we'd come this far. I just feel it. Well, this is truly where I belong. Making my way down Ocean Drive, hungover people. Voilà la salle du petit déjeuner. On va aller voir le petit déjeuner. Moi, je peux pas manger parce qu'hier, on a trop mangé, mais c'est magnifique, regardez-moi ça. Tout ça, c'est compris dans le prix. On paye 60 euros la nuit pour deux. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je me réveille, hein. On est donc toujours en Italie, dans les Pouilles, et on se réveille en plein milieu d'une hacienda magnifique. Et là, je vous emmène faire un petit tour parce qu'hier soir, avec Logan, on a fait soirée cinéma, film d'horreur. On a regardé le film Insidious, The Last Key, or The Key, je ne sais pas exactement ce que c'était. Et je vais vous emmener voir, en fait, là, vous avez derrière, en fait, l'hacienda. Donc, on s'est un petit peu enfoncé dans les champs d'olivier pour aller projeter le film dans un endroit un petit peu flippant. Donc là, en fait, on a les champs d'olivier. Et donc, si on va un petit peu derrière, vous allez voir le cinéma qu'on a improvisé. Alors, bon, deux jours, ça rend moins bien. Mais il faut imaginer dans le contexte, en fait, qu'hier soir, on a projeté le film sur ça, quoi. Donc, on avait mis les deux sièges là. Et ça, c'est l'écran. Donc, c'est une espèce de caravane sur lequel on avait projeté. C'était un écran de 6 mètres qu'on a projeté avec le petit projecteur Nebula Capsule, d'ailleurs, que je vous conseille. Je vais vous mettre le lien en dessous. Moi, je l'avais acheté à l'époque où c'était un projet Kickstarter. J'avais soutenu parce que, bon, bon, attendez, je reprends la caméra. Voilà, vous voyez, derrière, c'est les magnifiques champs d'olivier. Donc, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que moi, j'avais, à l'époque, quand j'étais au Japon, je vais vous mettre un lien vers la première vidéo que j'avais fait. C'était, j'avais fait une soirée cinéma sur le toit de l'immeuble à Tokyo, dans le quartier dans lequel j'habitais, donc à Okubo-shin. Et j'avais projeté le film Amélie Poulain avec mes amis français. On avait fait 20 fromages, projection, donc j'avais tout installé. Et le résultat était plutôt cool, en fait. Pour faire l'écran, j'ai le projecteur, il y aura le lien en dessous du petit vidéoprojecteur que j'ai acheté, qui est pas très très cher et qui est vraiment très très bien. Donc je vais vous mettre un lien sur cette vidéo, vous pouvez aller la voir. Et puis là, quand j'étais dans les Pouilles avec Logan, on a au début à Bari, on a projeté le film, en fait, donc dans l'appartement. On a regardé le film Call Me By Your Name, donc dans l'appartement, dans une des précédentes vidéos que j'ai fait. Bon, je vous mets le lien, vous pourrez aller voir. Et là, en fait, j'ai décidé d'aller un cran au-dessus parce que je cherche des endroits complètement insolites pour projeter des films. Et là, donc, du coup, ça a été l'occasion pour moi de projeter un film ici. Et j'ai trouvé que l'expérience était géniale et ça me donne une idée de projet pour venir. Voilà, donc pour vous parler du projecteur, c'est le Nebula Capsule que j'avais kickstarté à l'époque parce que justement, ils avaient lancé un projet de vidéoprojecteur en partenariat avec la marque Anker. Et j'avais, moi, du coup, au Japon, acheté un petit projecteur qui me convenait moyennement, qui était tout petit, mais qui me convenait moyennement. Et j'en ai acheté après 10 quand je suis retourné en Normandie chez mes parents, que j'ai testé des projecteurs chinois, mais il n'y en a aucun qui me convenait. Jusqu'à ce que finalement, je trouve ce projet Kickstarter qui est arrivé sur ma boîte mail comme par hasard. Et je me suis dit, putain, ce produit est génial. Donc, je l'ai payé 249 €. Aujourd'hui, il est un petit peu plus cher. Je vous mets le lien Amazon en dessous. Et si vous cherchez un projecteur de voyage avec une bonne autonomie, une bonne image et toutes les fonctionnalités qui vont bien, je vous conseille ce modèle. Allez, voilà. Donc du coup, c'était parenthèse cinéma, film d'horreur hier projeté. Donc je vous remontre encore sur ce magnifique camion avec ces deux chaises qui sont ici. Voilà, c'était soirée cinéma avec Logan. On va lui demander à Logan s'il a aimé la soirée cinéma après. On quitte l'hacienda, le bilan Logan. Qu'est-ce qu'on a pensé? Super endroit, super dîner et 10 sur 10, non? 10 sur 10, ouais. Franchement, la chambre, on a payé 60 € pour deux, pour une nuit, petit déjeuner. Ouais, super dîner le soir. Le dîner, on a payé 25 € par tête avec deux bouteilles de vin, tout ça, c'était mais génial. Franchement, le truc. Et qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Dis-moi. On a projeté un film sur le mur de la sienne là. Ouais. Et c'était comment? C'était top. C'était génial, ouais. Non? Ouais.
Ça c'est la ville d'Ostrouni. Ostrouni. Ostrouni. Là on va faire un tour. Tuk-tuk. Pour 10 euros par personne. Le plus vieux monument d'Ostrouni. Bon les amis, on est en train de regarder un film dans la rue en Italie. On a programmé le film dans la rue italienne avec Coco.